Salut à tous, nouvelle formation, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la santé de l'athlète. Alors, c'est quoi la santé de l'athlète? Tout simplement, c'est par rapport aux états de santé que peut avoir l'athlète. Est-ce que l'athlète est en meilleure santé? Est-ce qu'il est plus résistant face, par exemple, à la grippe, au rhume, etc., durant l'hiver et même durant toute l'année? Et on va se rendre compte d'une chose, c'est que le sportif a des sensibilités particulières et s'expose aussi à des agressions particulières. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette formation qui est basée en fait sur un dernier rapport, un rapport qui vient de sortir en 2018, qui est basé sur 35 ans de recherche pour montrer quelles sont les pistes pour améliorer la santé du sportif. Alors, on va passer par le côté nutrition, on va passer par le côté psychologique, physiologique et également les rythmes par rapport à l'entraînement. Tout un tas de choses finalement pour avoir, et c'est le but de la formation, pour que vous ayez en tant qu'athlète sportif, amateur ou professionnel, des outils, des réflexes au quotidien pour maintenir, préserver, augmenter votre santé, entre guillemets, et pas subir à chaque arrivée de l'hiver et du froid, je ne sais pas, un rhume, enfin quelque chose qui va vous empêcher de pratiquer. Et puis voilà, le but, c'est de réussir à vous montrer dans cette formation que le système immunitaire du sportif a tendance à baisser avec l'entraînement, avec le rythme de vie, le stress des compétitions et tout ça. Et on va voir comment ramener cette immunité à un niveau optimal. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on démarre la formation. Et puis, je vous conseille vivement de prendre des notes. Franchement, alors si vous l'écoutez que en audio, que vous voulez pas regarder la vidéo, pas de problème. Mais prenez des notes parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Moi, c'est quelque chose et c'est vraiment une pépite d'être tombé sur ce rapport, d'avoir pu lire, de prendre mon temps pour lire toutes les études. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui va apporter des pistes nouvelles, notamment au niveau du sommeil, etc. Et donc, prenez des notes. Honnêtement, prenez des notes. Voilà. On démarre ? Donc, c'est parti. Alors, premier point. Là, moi, j'ai pris mes notes, comme ça au moins. Le but de la formation, c'est que toutes les études scientifiques, finalement, elles passent dans mon lecteur interne, là. Et je vous ressors ça de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à entendre et à comprendre. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, des termes que vous ne maîtrisez pas, mettez-le moi en commentaire de cette formation et je vous détaillerai tout ça. Donc, on commence tout de suite avec mes petites notes.